Bonjour les lions, merci, merci de me retrouver. Je suis super contente d'être de retour avec vous. Nous allons faire le tirage ici avec votre amour, mission de vie et abondance. Donc on commence avec votre amour. La reine des Pentacles, la reine des Pentacles, des Deniers, pardon. On a le 8 de Denier, on a le 8, encore un 8 de Coupe et on a le Chevalier de Coupe. Avec l'archange Michael de Raphaël, pardon, de mon oracle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que simplement, il y a besoin de guérison. Il y a quelque chose qui est en train d'être guéri à ce mois de décembre. Quelque chose dans votre vie amoureuse. Là, on regarde votre vie amoureuse. Donc, vous avez envie de quitter une situation difficile. Vous en avez un peu, vous avez un peu marre, simplement. Et le blocage, c'est un nouvel amour qui rentre. Donc, soit pour certains d'entre vous, il y a une tentation, mais je sens que c'est vraiment au niveau de vous-même et de votre situation actuelle. Donc, si vous avez quitté une situation difficile, vous avez envie de quitter une situation difficile, et qu'il se peut qu'il y ait un nouveau amour qui rentre pour certains d'entre vous, les lions. Et ceci peut être un signe de Capricorne, Taureau ou bien Vierge. Et ouais, c'est plus ça. Il y a le changement du passé en fait. On est en train de bouger du rôle de victime, si vous voulez, vers le rôle de celui qui est sûr de ce qu'il fait et qui est confiant de sa nature, confiant de ce qu'il est venu faire là et confiant de ce qu'il appelle à lui. Donc, il faut savoir ce que vous voulez. C'est ça que je montre. Parce que vous, les lions, vous avez un pouvoir manifestateur qui est très puissant. Donc, faites attention à cela. N'hésitez pas de regarder vos ascendions et vos signes de lune pour vous. C'est ça que je ressens. Alors, votre mission de vie, le chariot. Super, the fool, génial. On a le 6 d'épée, l'abondance avec le 9 de denier et on a les pléiadiens que j'adore. Les pléiadiens sont des aides des étoiles qui sont là pour nous aider. Et donc, c'est vraiment la nation du cœur. Donc, suivez votre cœur. Votre cœur a une mission sacrée ici sur Terre. Quelle est la chose que vous voulez faire dans cette vie? Vous avez encore envie de quitter une... ou vous devez quitter une situation difficile. Alors, regardez ça quand même. C'est intéressant, c'est vos désirs de quitter des situations difficiles. Donc, ça montre un changement. Donc, au niveau amoureux et au niveau de votre mission de vie. Donc, il y a un changement. Vous êtes en train de vous lancer dans le vide. Et ceci est une bonne chose parce que vous avez le chariot derrière du message du grand esprit en vous disant « Allez-y, c'est la bonne chose à faire, foncez, foncez. » Donc, je sens que vous avez peut-être peur au niveau financier de ce que vous allez entreprendre. Et ceci, c'est pour vous rappeler que ce mois de décembre, c'est vraiment une fin d'un cycle pour vous. Et de savoir que vous êtes en transition. Donc, bien sûr, regardez vos croyances limitantes par rapport au fait que vous pouvez faire votre travail d'âme et que vous pouvez être abondant. Regardez ce qu'il y a entre vous et vos désirs. Quelles sont les choses qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs? Parce que là, je vois le seul problème, c'est que des fois, vous avez un manque de vous aligner avec votre mission de vie. Votre appel d'âme, donc vraiment, vraiment passer du temps avec vous-même en méditation et apprenez à connaître vos désirs. C'est ça qui est très important ici. Et au niveau, waouh, regardez ça, au niveau abondance pour vous, défendre vos points de vue, le magicien et le jaguar. Intéressant qu'il y ait le jaguar ici. Alors, peut-être c'est en direct lien de ce que je viens juste de dire. Je pense que les blocages que peut-être que vous avez hérités de vos familles, vos parents, je vois surtout l'énergie maternelle. Peut-être qu'il y a des choses qu'on vous a dit par rapport à l'argent ou par rapport à écrire beaucoup, par rapport à être dans l'abondance. Donc, regardez quelles sont vos croyances limitantes héritées de votre mère et surtout de votre lignée maternelle et paternelle aussi. Mais qu'est-ce que...
peut-être que vous associez de l'argent, il faut absolument travailler beaucoup, dur, nanana. Et au fait, ça vous limite quelque part. Donc, regardez cela. Le magicien, c'est le blocage. Donc, voilà, c'est ça. Vous êtes en train de manifester quelque chose qui est plus difficile. Enfin, vous mettez des bâtons dans les roues, c'est ça que je vois. Vous avez envie de défendre votre point de vue. Voilà, donc peut-être que c'est ça. Vous êtes en train de rêver le nouveau paradigme. Vous êtes en train d'acquérir des choses beaucoup plus facilement que vos ancêtres. Et ceci vous pose légèrement problème avec les croyances qu'on vous a éduquées. Et donc, il faut vraiment regarder ici qu'est-ce qui vous retient. Parce que vous avez droit à tout. Donc demandez tout. Et le message de l'univers, c'est que vous pouvez avoir plus. Donc pour vous, les lions, c'est vraiment ça. Vous avez ce pouvoir d'énergie de lion, de feu, de sociabilité et de pouvoir vraiment utiliser vos ressources pour arriver à ce que vous désirez. Donc, n'hésitez pas à passer le mois de décembre, surtout autour du solstice, à regarder quelles sont les croyances limitantes qui pourraient vous retenir. Donc voilà, si vous avez aimé ce tirage, n'oubliez pas de liker, laisser un commentaire ou bien si vous n'avez pas encore fait, pardon, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse tous très très fort. Ciao. N'oubliez pas que donc le mois de décembre, ces tirages sont pour le mois de décembre et en décembre, le 22 décembre, il y aura un événement pour les hommes et les femmes sur la méditation des 13 fées. Et ce sera en live sur Zoom. J'ai que 100 places, donc dépêchez-vous à si vous sentez votre intuition qui vous appelle. Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est vraiment méditer avec les 13 fées et comment les utiliser au cours de 2019 pour manifester nos rêves, nos buts et vraiment s'aligner avec notre mission d'âme. Donc, si ça vous intéresse, regardez le lien en dessous de cette vidéo.